Dieu est grand. Ouais. En tout temps, il a mis ce chant. En tout temps, à travers sa lumière, Dieu est grand. Dieu est grand. En tout temps. Père, merci pour ta présence. Éclaire notre foi. Éclaire tes enfants. Enseigne notre foi. Dieu est grand. Dieu est bon. En tout temps. Qui veut manger ce soir? Exode chapitre 16. Merci, messieurs. Tout le monde y est, bon? Voici ce que Yahweh a ordonné. Dans la nuit, Yahweh a pesé le cola dit. Que chacun en recueille autant qu'il lui en faut pour sa nourriture, un homère par tête selon le nombre de vos personnes. Les enfants d'Israël firent donc ainsi, et les uns en recueillirent plus, les autres moins. Ils le mesuraient par homère. Celui qui a recueilli beaucoup n'avait rien de trop, mais celui qui a recueilli peu n'en manquait pas. Mais chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour manger. Et Moïse leur avait dit. Oui, Moïse a dit ça qui s'en va. Que personne n'enlève rien de reste jusqu'au matin. Mais il y en a eu qui ne payaient point à Moïse, car quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin, et il s'y engendra des vers, et cela tuer. Ainsi, chacun en recueillait tous les matins autant qu'il lui en fallait pour se nourrir. Et lorsque la chaleur du soleil était venue, elle se fondait. Alléluia. Vous êtes là? Ne laissez personne vous distraire. Ce que Dieu veut vous communiquer, c'est capital. La manne. Le pain des grands. Liba. Yamonen. Yaba. Les grands. Les grands. Liba yaba dominé. Par contre, il faut dire ça aussi. La manne. La manne est la nourriture qui a permis aux enfants d'Israël de traverser le désert pendant 40 ans. Manne, les amis, les gens qui sont en Israël, tout combiné. Le pain des anges. Liba, il y a un ange. Le pain des grands. Liba yaba dominé to bakons. Quand les enfants d'Israël ont vu la manne, ils étaient tellement affamés que certains se sont dit amassons plus que nécessaire pour ne plus en manquer. Ça c'est le propre de l'homme. L'homme aime beaucoup amasser. C'est pour cela que beaucoup meurent.
Si quelqu'un dit, moi je voudrais avoir 10 000 euros, 100 000. Ce qui m'a dit, c'est la personne qui a 100 000 euros. Il va tout faire pour avoir 100 000. À cause de la nuit, on se pose à 100 000. Dès qu'il a 100 000, ce qui a 800 000 euros, il en faudra plus. À la moindre pose, il faut que l'on ait 100 000 euros. 200 000. Ce qui a suivi, il faut que l'on ait 200 000, 1 million. Ce qui a suivi 1 million, il faut que l'on ait 1 million, 3 millions. Quand on a besoin de 3 millions, il faut que l'on ait 3 millions. Et un jour, il va mourir au milieu de l'argent. Au colombo, ce soir, vous vous faites un tatien. Bon. Ça, c'est l'homme. On a monté. Vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs tombent? Vous voyez, pourquoi les pasteurs tombent? Parce qu'ils sont beaucoup ici. Au début, il n'avait rien. Vous allez voir Dieu. Chaque jour, Dieu le lundi, Dieu le lundi, donne-moi. Dieu donne. Le mardi, Dieu donne-moi. Dieu donne. Le mercredi, Dieu donne-moi. Dieu donne. Le jeudi, Dieu donne. Dieu donne. Ils étaient attachés à Dieu, dépendants de Dieu. Dépendants. Et quand ils commencent à voir beaucoup, ils ont fait une montagne de choses. Le lundi, ils ne vont plus voir Dieu. Lundi, ils vont plus voir Dieu. Mardi, ils vont plus voir Dieu. Mardi, ils vont plus voir Dieu. Mercredi, ils vont plus voir Dieu. Mercredi, ils vont plus voir Dieu. Ils ne partent plus voir Dieu. Ils vont commencer à consulter leur propre Dieu, le Dieu maman. A comme si vous voulez que le Kanzambe n'a pas eu à misaler comme on a eu maman. Ils ont vu la manne. Amoni man. Oh là là. Man. Oh là là. Man. Alors faisons tout pour cacher beaucoup de manne dans un coffre. Tout ça là, tout en soi, madame Otobo, mais il pèle à manne dans un sandou. Dieu a dit ah bon. Ça va bien. Hein? Ah bon. Hein? Donc ce n'est plus moi votre nourriture. Donc il faut soutenir dans mon opé Sabino, il faut qu'on ait volé dans sa nous. Dieu leur dit, ne gardez pas la manne jusqu'à demain. Ce qui vous dit mal au coloua, n'a pas la nuance. Vous pas un côté et comment il l'a. Dieu connaît le cœur de l'homme. Parce qu'il n'a pas eu mon thème à mort. Et il y en a, ils ont dit non, non, nous on ne va pas écouter Dieu. Ah, ce soir, ils ont caché beaucoup. Par exemple, une famille de trois personnes. Par exemple, le beau tamoko va tomber ça. Papa, maman et l'enfant. Papa, maman et moi. Au lieu de prendre seulement trois mesures. Une mesure pour chacun. Mon copain, mon gars, ils vont prendre par exemple 30 mesures. Je vois ça. Ça passe, ça passe. Il dit 20 de terre. Elle dit 20 de terre. Elle va dire tout. Elle va attaquer le monde. C'est le même père de Dieu qui a envoyé détruire l'arbre de choses de la vie. Je vais se lever. Ils allaient dans la vie de Jonas, ça va dire qu'il va dire que les étaient Jonas, à battre la vie de la. Et on nous dit que la manne qui était en réserve commençait à pourrir et à sentir mauvais. Et puis le billet était manne n'y en sont pas en égo. Et pour là qui promet. Dieu dit, le lundi, prenez juste ce qu'il faut. Le mardi, prenez juste ce qu'il faut. Le mercredi, mercredi, juste ce qu'il faut. Le jeudi, juste ce qu'il faut. Le vendredi à 18h. C'est le début du Shabbat. Sabbat est banni. Donc d'abord, le dimanche, premier jour. D'abord, mon quoi, c'est un dimanche. Juste qu'il faut. Bonsoir, où est-ce qu'il faut le dimanche? Lundi. Lundi, pour l'ami, allez, bonsoir, où est-ce qu'il faut? Mercredi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Vendredi, les amis, vont pour la moto. Le sixième jour. Oui. Prenez, à 18h, hein. Prenez le double. Alors, mais c'est quoi, vendredi, même à 18h, bonsoir, mesure, il y a mis colonie, allez. Tiens, le voisin, le double. Le bon voisin, eux. Il y a mis colombie balé. Bon. Tiens, tu vois encore le double. Posez-moi la question, pourquoi le double? Tu n'as pas répondu à Nini, il y a mis colombie balé. J'ai pas entendu. Donnez-moi le nom du sixième jour. Le nom du sixième jour.
selon le calendrier hébraïque. Opesanga Kongo ya mokolo ya motoba selon calendrier hébraïque. Je ne sais pas. Si vous le savez. Le premier jour, c'est lequel? Dimanche. Donc, le deuxième jour, c'est lequel? Vendredi. Il y a combien de jours dans une semaine? 7. Et il y a combien de dispensations ou combien d'âges, combien de dispensations dans la Bible? Bipi, mais les alibons, c'est ça que tu as dit. 7. Les alibons, c'est ça. D'accord? Ok, 7. La première dispensation. Là haut, il y a l'iboso. Ce qu'on appelle la dispensation, n'est-ce pas, de la responsabilité morale. Il y a un mot, vous allez comprendre la dispensation, il y a responsabilité morale. Quand l'homme a chuté. Non, non, toi, quoi, il s'en va dans les choses. Deuxième dispensation. Oui, ami, balé. Dispensation du gouvernement humain. L'homme a commencé à régner. Oui, Zali, il y a beaucoup de vie à quand il a monté. Troisième dispensation. Il y a mis ça. La dispensation de la promesse. Où est Zali à Elaka? Dieu promet à Abraham qu'il aura une postérité. La quatrième dispensation. Yamine. Celle de la loi de Moïse. Où est Zali à Mopeko na Moïse? Dieu donne la loi aux hommes. La cinquième dispensation. Non, la première, c'est la responsabilité morale. Deuxième. Le gouvernement humain. Troisième, c'est la promesse. Le quatrième, première, c'est le moral. Deuxième, gouvernement humain. Troisième, promesse. Quatrième, la loi. La cinquième, non, il y en a une qui manque. Il y en a une qui manque. La responsabilité morale. Non, avant la chute, voilà, avant la chute de l'homme. La première dispensation. La deuxième, l'homme chute. La troisième, le gouvernement humain. La quatrième, la promesse avec Abraham. La cinquième, la loi. Et la sixième, c'est l'église. Pourquoi la sixième? L'homme a été créé quel jour? Quel jour? Adam et Ève, la première image de l'église. Adam et Ève. Christ et l'église. Adam et Ève. Christo Azali Adam. Adam, l'image de Christ. Ok. Adam Azali et l'église à Christ. Ève, l'image de l'église. Ève Azali et l'église à l'église. C'est le sixième jour que Dieu les a créés. Et Christ est venu bâtir l'église pendant la dispensation de l'église, donc la sixième dispensation. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Chiffre 6 est le chiffre de la moto. Alléluia. Donc, le vendredi. Oui, mon colonel, motoba wana vendredi. Juste avant le sabbat. Tango sabbat et zakoban. Juste avant le septième jour. Yambo et mon colonel Sambouya. Il fallait prendre doublement la manne. Et c'est n'est qu'au Zamana, pona mikolomi bali. Ça veut dire quoi? Et Nicolobani. La dispensation de laquelle nous sommes. Le temps dans lequel nous sommes est le temps où Dieu est en train de déverser la double portion de gloire. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Amen. Chrétien, chez les Hébreux, les fils aînés recevaient la double portion. Voilà pourquoi Élisée avait demandé la double portion à Élie. Depuis que Christ est venu, jusqu'à l'enlèvement, tous les vrais enfants de Dieu marcheront dans la double portion de la parole. Du feu, de la gloire, de la sainteté, de la manifestation, de l'autorité du royaume de Dieu.
toutes les portions. Il y a l'Ingola, il y a Bolsato, il y a Stéphane, il y a le Père, il y a Bogon, il y a le Père, il y a le Père. C'est pour cela que Dieu dit à l'église, il y a un grand exemple à l'église. La manne, c'est-à-dire Christ, ouais, c'est l'église, sera mangée doublement tous les jours. Et c'est le diable, par la vie, par les colonies. Et le réveil arrive. On a beaucoup de le respect de l'église actuellement, on a une église de la double portion que Dieu te que les chrétiens se préparent pour la de la vie. Et cette double portion, ne peut pas pourrir. Le vent de terre ne peut pas la détruire. Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Et moi je suis le pain qui descend du ciel. C'est ce qu'il a dit. Vous ne voyez pas que nous sommes à la veille du 7e âge. Le 7e âge, c'est le royaume de terre. C'est le millénium. Avant le millénium, Dieu va se manifester. Parce que la révélation du nom de Dieu était réservée à toi et à moi. Voilà pourquoi Abraham est le père de la foi. Il n'a pas passé un seul terme. Élisée avait la double portion, non? Élisée avait la double portion. Il n'a pas pu passer un seul démon. Parce qu'ils avaient reçu une seule portion. Oui, en réalité, on va donner la portion. Mais quand le pain de vie est descendu, donc la tango lit par le nom de Yahshua. Jésus Christ. Oh, alléluia. Il a dit. Allô-dit. Mangez ma chair. Bon, y a... manger la double portion. Et il faut avoir la vie. Quand Pierre a mangé la vie, le pain, dans le pied, chaque pied,
C'est les démons. Les démons. Les démons. Les démons. Frère, déco. Les moussoirs qui avaient touché Paul, moussoirs et tout ça qui nous a Paul, on les a piqués sur les malades disaient, nous sortons, nous-mêmes nous partons. Dieu dit à l'Afrique, mon peuple mangera la double portion. Le pain véritable, le pain qui va te permettre de traverser la persécution, de traverser, de marcher sur le serpent, sur le serpent, et de la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Et l'autre, mon côté, de lui, pour faire ça au passe. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les bénéfices matériels, ce n'est pas comme ta dîme qui sera béni. Le message, c'est manger la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu. Méditer la parole. Aimer la parole. Frères et sœurs, ils ont mangé la manne, ils sont morts. Mais ceux qui mangent Christ, même s'il meurt, il est mort. Il a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Nous sommes dans le sixième âge. Nous allons dans le sixième âge. L'âge de l'Église. Et allez âge de l'Église. Nous nous approchons du sabbat. Nous approchons dans le premier. Le sabbat. Au premier. Empressons-nous d'entrer dans son repos, nous dit Hébreu. Hébreu le bien c'est ton salam akas imba ou poto kote dans le premier. Or avant le sabbat. Zoka yambo yabo premier. Avant le royaume. Yambo na bo continent zam. Je déverse la double portion. Je répandrai sur vous. Mon esprit dit le Seigneur. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire quoi? Quand on reçoit la double portion, on ne peut que passer de la parole de Dieu. Tous les chrétiens muselés par les pasteurs commenceront à parler de la part de Dieu. Celui qui a la double portion de sa parole, celui qui reçoit une joie, donc la parole de vie, le pain de vie, personne ne peut la faire. Je dis bien, personne ne peut la faire. Mais même tous les traversants que vous mettez en part, on doit avoir toute la promotion de l'étoile. À chaque fois, on va traverser tout le ils peuvent venir chez toi la nuit, te combattre, te briser, mais ils ne peuvent pas t'attaquer. Car la parole, il n'y a pas de puissance plus grande que celle de la parole. Vous voyez, c'est ça, c'est mon côté aujourd'hui. Dieu dit que la lumière apparaît, la lumière est venue. La double force. Oh, le bénédicte. Avant Christ, aucun homme n'était à la croix. Grand-mère, roi.
Pourquoi la double portion? Et pas qu'on a mis balai. Qui croit que Jésus est le premier né? C'est écrit oui ou non? Et comment dit hein? Oui ou non? Le premier né, c'est écrit Colossiens 1. Donc les premiers nés ressentent quoi? La double? La double? Bon. Qui croit que nous sommes le corps du premier né? Donc tu as reçu quoi? Donc la paix mon compte. C'est pourquoi Yeshua disait en vérité, en doublement. En vérité, en vérité. Oh, Jésus Christ. Et cette église, la personne ne peut la détruire. Je viens dire à l'église de Brazza, de Congo Brazza, point noir, personne ne peut te détruire. On va bientôt partir. On va bientôt partir. On va bientôt partir. Voilà pourquoi Dieu manifeste sa parole. Sa parole. Satan. Craint la parole. Il a introduit les fausses doctrines. Au lieu de prêcher Christ, on est à côté à Christ, nous prêchons des hommes. À côté à Bishopat. Affiche partout, dit Longi Abad. Apôtre des nations. On s'affiche. Bishop intergalactique. Bishop interplanétaire. On s'affiche. Tozana Tina n'a un côté. Présentez-nous la parole. Prêchez-nous la repentance. Prêchez-nous la conversion. Prêchez-nous la grâce de Dieu. Prêchez-nous l'amour pour Dieu, l'amour pour les âmes. Aujourd'hui, on prêche pour les pasteurs sur les églises. Venez, Satan, quand il vient, c'est ça. Je rends. Soyez Satan, aïe, à terre, vous l'avez en Satan va venir avoir un océan. Ah bon? Vous avez un océan. Le calendrier du pasteur et sa photo. Calendrier photo papa, maman. Calendrier tu mets chez toi. Calendrier. Église fabrique calendrier. Car il y a papa, maman, pasteur. On dit au tien en d'accord. Vous voulez que je parle encore? Oh, les sept clés pour la délivrance, sorcellerie. C'est que les sambos, on a besoin de Kangola Indo. Je pense que savon, un savon prophétique de sorcellerie. Osoa savon, yo, yangwezali a ilaka, kindo. Oh, le parfum, ça vient d'Israël, l'huile d'Israël. Oh, parfum. Oh, ma yehoudina Jourdain. Oh, ma belo yehoudina Israël, kindo. Je vais vous dire une chose. Vous me voyez, est-ce que vous voyez que j'ai des gris-gris avec moi? Banana, vous voyez, il n'y en a pas de gris-gris? Non. Je vais avec quoi? N'y a qu'un ami. La manne. Man. Posez-moi la question, pourquoi la manne? Man est Zani. Yeshua a dit quoi? Celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne. Yes, il y a la manne cachée. Dis-lui, il y a la manne cachée. Dis-lui, il y a la manne cachée. C'est qui? C'est qui? Tiens, ton voisin, Jésus est la manne. Qui veut traverser ce grand désert
quitter le monde pour aller jusqu'au ciel. Qui ne veut pas tomber avec les femmes? Avec les hommes. Le secret. C'est quoi le secret? La manne. C'est quoi le secret? C'est quel est le secret? Manne. La manne. Manne. Jésus. Yes. Jésus est bon. Yes, ça va, madame. Il a du goût. Aga bien. Hélène. Quand on le mange, ce qu'on dit. Chaque jour, je le mange. Mon colonio, son a dit à Caï. Oh, quel goût! Regardez. Total. Qui veut que les sorciers tremblent devant lui? Nana, il y a des mandos qui parlent dans la dévotion. Je vais vous donner un secret. En fait, ça veut dire ce qu'il est. Prenez la parole de Dieu. Méditez-la. Quand la paix est collée. Quand vous allez commencer à parler. Quand vous allez commencer à je suis à la Kinshasa. La quelle la Kinshasa? Dieu m'a dit, tu vois cette église? Non, mais c'est mon église. On m'avait invité à prêter là-bas. C'est rempli de sorciers. Bando, qui n'a bando. Dieu m'a montré le pasteur, on l'a pris, on l'a mis par terre, on s'est assis dessus. Dans la chorale, le sorcier. Dans la chorale, bando. Protocole, sorcier. Ma protocole, bando. Dieu me dit, appelle tous les sorciers devant. Personne ne peut lever. La parole est venue sur moi. L'onction a cessé. Et puis, l'autorité apostolique a cessé. Beaucoup dit à apostolat et zingal. Je dis maintenant tous les sorciers devant. Alors, bien, alors, bando, qui n'y a parmi les sorciers, mon demi frère aussi. Et puis, le bon aussi. Quand tu as bando, qui te connaît, il faut que tu oh, il y en a une qui vient. Moi je tue mon frère. Je dis comment? Non, avec, non, une non, masse, non. Avec un copie qui bosse avec une massue. Pah! Et ma mère qui bosse à quoi à fou. Je me dis. Jamais dit ça. Mon fils. Bon, non, non. Tu vois les sorciers de la ville? Au moins, de Vignon, c'est ils vont danser sur la cabine électrique de la ville la nuit. Et le courant qui arrive sur les gens en vaut toutes les maisons. Et parce qu'il y a une cabine, il y a courant, il y a un bokawana. Donc, tant que courant est dans la cabine, il y a un courant, il y a un bokawana. Je me dis prophétise. Non, mais il y a un sakola. Parce que au quartier 13, Angie, pour lui connaître. Voilà, Angie, dans le quartier 13. Pour la baba yé. Ceux qui étaient là, savent ce jour-là, comment ça se passe. Je dis, moi, je pars, je repars en France dans 3 jours. Mais avant cela, dans 3 jours, une foudre va tomber sur la cabine et elle va être incendiée, elle va brûler. C'est déjà mort. Dans sa colline, elle a dit, dans sa colline, dans ce qu'elle est France, dans 3 jours. Mais dans le pays, avant qu'elle ait été, quand elle est beaucoup écopée, elle colle à la cabine en courant. Quand tu vas aller faire la je prends l'avion 3 jours après, je pars, on m'a pris pour me dire, la foudre est descendue 3 jours après, il n'y avait pas de nuages, il n'y avait pas d'orage. Une foudre qui tombe du ciel, ça brûle complètement la cabine. Et les sorciers ont commencé à dire cet enfant à la magie de blanc. Alors, dans la cahier photo, si on économise, on a eu un téléphone et sonné par Béina Balobi, dans la cabine courant, on a boule à thé. On a boule à thé, l'autre côté, dans le mot Iboué. Quatre mots que vous n'avez nulle part, et vous pouvez y faire ici, si l'autre gnosse. À toi, ton gnosse, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de la parole, tiens, à toi, c'est la parole. Iloba. Là, là, là. Pendant notre séjour, je n'autorise à aucun sorcier de survoler la ville de Brazzaville. Ma péquissine d'opinion, mon côté a survolé, dis-le à Brazzaville. Tous ceux qui veulent survoler Brazzaville doivent contourner par d'autres pays. Ma union sont balayés pour l'État. Ma sénégalais va être en zinga à Brazzaville, par contre, on n'a pas beaucoup à pousser. Mon côté a collé à Nicolas à Brazzaville. Et c'est acté. Pena Bessi Ango, Mokoloto. Alléluia. Dieu dit à Ezekiel. Dame, merci Ezekiel. Puis cela. Moi, non, amour. Ces ossements pourront
Il dit, je le sais toi-même. Il lui a dit, prophète, on m'a dépêché, écoutez quoi? Écoutez quoi? La parole de l'homme, la parole d'un prophète, est la porte. La parole! Voyez ça? Voyez la parole? Le Seigneur dit quoi? Mes paroles sont esprit. Donc la double portion, c'est la double portion de l'esprit. Et de la vie. Ça veut dire quoi? La double portion de la vie. Là où tes membres étaient morts. Quand la parole arrive. Ah, alléluia. Oh là. La double portion de la vie. Et pas pour la nuit, elle allait à bon moment. Là où il y avait la mort. Et si t'as coupé dans la vie, quand l'évangile arrive, dans mon sang, mon âme est comme la mort s'en va. Coupé et qui? Oh là. Oh boy. La vie. Oh boy. La vie. Oh boy. La vie. Oh boy. La vie. Oh boy. Oh boy. La vie. Oh boy. La vie. Oh boy. La vie. Oh boy. Au commencement, on ne touche personne, on ne force pas. La vie, oh boy. Regardez. Donnez-moi le nom du premier livre de la Bible. Genèse. Qui veut dire Bereshit. Genèse veut dire Bereshit en hébreu. Bereshit veut dire au commencement. Et l'inko va naïbandé. C'est ça de la Genèse. Au commencement. Naïbandé. Le premier livre de la Bible commence par le commencement. Au commencement. Le dernier livre de la Bible, c'est lequel? Qui signifie quoi? Révélation. Dieu dit quoi? Il est l'alpha et l'oméga. Donc, il est le commencement et il est la révélation. Alléluia. Et c'est ton mari. Jésus. Yes. Alléluia. Paul dit. Paul a le dit. Les principautés et les dominations dans les cieux. La conduite continue sur Nicolo et Goyeta. C'est-à-dire les démons et les anges de Dieu. Et Nicolo a été ma ange et nous en Zambé, Naba démona. Ils connaissent. Baïeta. Par toi. Ils ont la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Quand ils te voient prier, Alléluia. Quand ils te voient prier, Dieu, ils découvrent encore
Dieu autrement. Parce que le nom de Dieu n'a pas été révélé aux anges. Mais révélé à l'épouse. Ils savent que c'est Jésus. Mais les révélations qu'ils n'ont pas eues parce que c'est un mystère caché à tout le monde. Révélé à toi et à moi. Et Pierre dit, les anges devaient plonger leur regard. La double portion. C'est pas quoi la mi-balle. La double portion. Dites-moi. Oui, Sangai. Nous sommes sous quelle alliance? Dans une alliance, oui. C'est la première ou la deuxième? Dis à ton voisin, deux. Double portion. Oh. Oh. Voilà pourquoi tu ne peux pas mourir comme ça. Non. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau. Nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. Wow. La manne. Lipa. Yeshua. Yes. Frère, sœur. Neko. Après ce programme. Si mon programme oui. Beaucoup de vies vont être bouleversées. Papa moi mingi et ko bulungana. Beaucoup mingi. La parole que Dieu donne. Elle t'amène à la séparation. Et comme maman n'a pas kabwani. Tu vas sortir de la religion. Tu vas sortir de ton péché. Tu vas sortir de la mauvaise compréhension du ministère. Tu vas perdre des amis. Tu vas être lapidé. Tu vas être persécuté. Tu vas pleurer. Tu vas gémir. Tu vas te retrouver seul. Mais Dieu permettra cela pour te purifier. Parce que la parole purifie. Mais mon frère, après cette purification, tu vas marcher dans la double portion. Ce que Dieu me dit de te dire. Oh Jésus. Lève-toi. Dieu voit tes combats. Dieu voit tes pleurs. Dieu te sépare. Il te sépare comme Miché. Il te sépare. Il te sépare. Oh. Dans les églises à Brazza, au Congo, on doit vous parler de la sanctification. On doit vous dire que si vous couchez avec un homme sans être marié, si vous mourrez comme ça, vous allez en enfer. On doit vous dire que si vous vous masturbez, et que tu meurs, tu vas en enfer. On doit vous parler de la sanctification, de la sainteté. Et c'est ce
c'est comme ça que vous allez rentrer dans la double portion de votre héritage. Qui croit que nous sommes héritiers? Mais tu crois que tu as hérité de quoi? Oh, hérité nini. La vie, Bomoi, la double portion. Beaucoup ici vont pleurer encore. Beaucoup vont pleurer. Il y en a beaucoup qui ont reçu ce message. Ils ont été chassés des églises. On les a traités de sorciers. On les a traités de rebelles. On les a maudits. Mais Dieu dit, mon enfant, c'est une grâce. Si tu souffres pour moi, ta couronne sera grande. C'est une grâce. Et ce qui est magnifique avec la parole de Dieu, la double portion, c'est que les vers de terre ne peuvent rien contre cette parole. Depuis que je la prêche, aucun démon n'a pu me faire quoi que ce soit. Qui veut? Oh, ça va? Qui veut abandonner le péché? Venez. Levez vos mains vers Dieu. Oh Père, merci. Thank you.
acclamer le Seigneur pour leur offrir. Vous pouvez regarder le Seigneur pour leur offrir. Je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré.